Seigneur, une autre vidéo pour vous. Ça m'a mettre town. Today is December the 20th, 9 o'clock in the morning. This is how Vancouver looks. This is how it looks. I'm gonna go for a walk around the Metro Town area and show you how the Skytrain up there, the mall around. Bonjour la famille. How it looks like after this heavy snow. Comme je l'ai dit au début, fait tellement froid. Aujourd'hui, je me suis dit de vous faire la vidéo pour vous dire pourquoi j'ai choisi Canada par rapport aux États-Unis. C'est une question que beaucoup de mes frères m'ont demandé, m'ont posé. Ils ont vu la neige, ils ont pensé qu'il y a vraiment une grande souffrance ici au Canada. Mais au-delà des neiges que vous voyez ici, le Canada nous offre beaucoup d'opportunités. À part les intempéries ici, la nature du pays, le pays même, lui-même, le Canada nous offre beaucoup, beaucoup de choses. Nous avons une sécurité financière, nous avons une sécurité alimentaire, nous avons une sécurité humaine, nous avons toutes sortes de sécurités, en tout cas, nous en avons, en tout cas au minimum, on en a ça. On a le droit de voter, le droit de s'exprimer, on a la liberté d'expression, liberté de choix. Tous ces éléments de base, nous les avons. Enjoy the ride with me. Quand il s'agit des États-Unis, quand les amis me posent des questions, pourquoi j'ai choisi le Canada, comme on regarde chaque jour les médias, les news, les informations, comment on traite les Noirs aux États-Unis. Chaque jour, il y a la mort, il y a les gens qui sont séquestrés par la police. Le système gouvernemental lui-même ne permet même pas, je pense, aux Noirs de se développer aisément. Puisque à chaque fois que vous voyez la police, vous avez peur. J'ai été aux États-Unis plus de 4 fois. Et si tout va bien, le 27, je vais encore y repartir le 27 décembre aussi. Je n'ai pas trop grave quand vous êtes visiteur, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est effrayant. Mais les gens qui vivent, selon les réalités qu'on voit, selon les nouvelles qu'on voit, je ne pense pas que les États-Unis, pour moi, est un pays d'accueil. Pour moi, je ne pense pas. Parce que je viens d'un pays, et je viens d'un pays qui n'a pas de sécurité, qui n'a pas de paix. Alors, je ne vais pas quitter mon pays, fuir la guerre et aller vivre encore dans un pays où il y a la sécurité des races. Pour moi, je ne pense pas que ça serait une bonne immigration. Je pense que quand quelqu'un quitte son pays, il quitte pour un avenir meilleur, pas pour avoir peur encore. Quand il quitte un pays comme Gabon, Guinée, Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, tu espères une vie de sécurité, une vie d'aisance, une vie qui a des valeurs de base. Tu espères à un pays qui a un PIB élevé, tu espères à un pays qui est politiquement stable, financièrement stable, économiquement stable. Ce sont des éléments de base que nous cherchons dans la vie humaine. Comme ces éléments-là, sécurité de base, ne sont pas dans nos pays, c'est pour cela qu'on quitte pour venir chercher ce qui pourra nous faire du bien, ce qui pourra assurer notre futur ici à l'étranger. Pour moi, les États-Unis, il y a l'argent, il y a toutes sortes de choses. Vous pouvez devenir qui que vous voulez aux États-Unis, tout comme ici au Canada. Mais la seule chose qui me paraît vraiment difficile, c'est le système de sécurité des Noirs. La façon dont on traite les Noirs, ce n'est pas bon. Je n'ai pas dit qu'au Canada, c'est parfait.
Au Canada aussi, il y a ce qu'on appelle, il y a du racisme, mais qui n'est pas vraiment montré directement comme dans d'autres pays. Vous le sentez, mais on ne vous dit pas directement comme aux États-Unis, vous voyez la police et les noirs, ça ne marche pas. Mais ici, on est à parfaite harmonie avec la police. Vous pouvez parler à la police, vous pouvez faire ce que vous voulez, la police ne va pas vous arrêter pour vous demander des cartes d'identité. Quand même, ce sont des choses qu'on a, les choses qu'on a ici, qui pour moi, ça me fait du bien. Je suis obligé de marcher, de me promener avec mon identité. Je me promène seulement avec mon identité. Dans les cas où il y aurait, par exemple, que Dieu m'épargne, il y a un accident, pour m'identifier, c'est pour cela que je marche avec seulement mon identité. Mais depuis que je suis au Canada, on ne m'a jamais arrêté et me demander une carte. Aucun jour. Plus de 20 ans, on ne m'a jamais demandé une carte d'identité, bien sûr. Au Canada, ce qui est tellement aussi avantagé par rapport aux États-Unis, j'ai toujours dit, ce sont les frais, les coûts scolaires. Les universités des États-Unis, ça coûte trois fois plus cher que les universités canadiennes. Ça, c'est la vérité. Que tu sois étudiant international, soit et local, vous payez trois fois plus cher que les locaux, les Canadiens. C'est ça la réalité. Alors, au lieu de m'embrouiller avec les salaires, de payer les salaires, les frais scolaires qui sont élevés, les coûts élevés, dans un pays qui ne m'accepte pas facilement, un pays qui n'a pas de sécurité des races, on ne respecte pas les Noirs. Pendant qu'il y a un pays voisin au Canada qui respecte les Noirs, et puis les coûts des frais scolaires sont moins élevés par rapport aux États-Unis. Je pense que le choix est clair. Les États-Unis ont le système routier, les transports, tout est bien calé. Au Canada aussi, ils en ont les mêmes choses. Ils ont le système alimentaire qui est au top. Au Canada aussi, la même chose. Il n'y a rien. Donc, les deux pays sont les voisins et puis ils ont presque la même façon de vivre la vie. Même chose de faire les affaires. La vidéo, elle est seulement pour les points de vue sécuritaires. Moi, en tant que noir, quand je vois les noirs qui sont venus, qui vivent aux États-Unis plus de décennies, plus de centaines d'années, mais ne sont pas respectés au même pied d'égalité comme les blancs. Au plus fort des raisons, moi qui viens juste d'arriver il y a à peine 20 ans, aller me jeter dans un système qui ne m'accepte pas facilement, pendant qu'il y a un pays voisin qui m'accepte tel que je suis, qui me donne d'opportunités de vivre ma vie avec toute liberté, qui me donne un pays qui me donne l'opportunité de vivre une vie comme je le veux, qui me donne le pouvoir d'avoir un mot à dire. Quand le gouvernement ne marche pas, quand ça ne fonctionne pas, je peux quand même dire quelque chose, puisque je fais partie de la population canadienne. Je suis citoyen canadien. C'est pour cela que je vois, quand il s'agit de points de vue sécuritaires, pour moi, le Canada est plus mieux, 100 fois mieux que les États-Unis, puisqu'on respecte les Noirs. Tant que tu te mélanges avec toute nationalité, surtout Toronto et Vancouver sont les villes les plus mélangées des races, vous allez trouver toutes sortes de races et on vit à parfaite harmonie. Il n'y a pas les gens qui vont se distinguer de vous. Tous, on va dans les mêmes supermarchés, tous, on va dans des mêmes boîtes, tous, on va dans des mêmes. Donc, on est partout, donc on est bien. Je pense que le Canada, c'est parmi les pays où on ne parle pas trop du racisme. Bien que c'est un pays des blancs, on peut avoir du racisme, mais on ne l'affiche pas comme dans d'autres pays.
Les Européens, chaque jour, crient du racisme. La France, dans la Coupe du Monde, si vous aviez vu, tout le monde était pour toute l'équipe. Comme ils ont perdu la Coupe, ils n'ont pas gagné la Coupe, ils ont commencé à insulter les Noirs. Du racisme direct. Pendant que l'équipe canadienne a joué au Coupe du Monde, mais aucune personne n'a parlé du race, du racisme. Ça n'existe pas. C'est comme un tabou. On ne peut pas dire de telles choses, de la façon dont les Français disent les choses. C'est ça, pour moi, ça fait du mal. C'est pour cela que moi, la neige que vous voyez ici, ce n'est pas éternel. Les gens vivent, les gens marchent, les gens conduisent des voitures. Donc il y a la vie partout. Ça, c'est seulement une partie, pour moi, négative du Canada. Mais à part la neige, il y a beaucoup, toutes sortes de... D'ailleurs, la neige, il y a beaucoup de gens qui aiment la neige parce qu'il y a les gens qui font les patinages, il y a les gens qui font les skis, il y a beaucoup de jeux d'hiver. Si tu n'es pas, tu n'es pas apte, soit tu n'es pas capable de t'adapter aux jeux de l'hiver, alors là, tu seras un monsieur, soit une dame un peu malheureuse, un peu écarté de la réalité. Ici, il y a tout. Si tu viens, tu dois t'intégrer. Intègre-toi dans des jeux d'hiver, des jeux d'été. Dans toutes les situations, tu dois savoir s'intégrer. Parce que c'est un nouveau pays, un nouveau départ. Tu dois savoir comment les choses marchent, comment les choses fonctionnent, comment la population vit. Vous êtes obligé à vous intégrer. Dès que vous intégrez comme ça, rien ne sera impossible. Il y a les gens qui sont devant moi aussi, c'est une vieille. Et son mari là, tu vois, ce sont des vieux. Mais ils sont en train de s'enjailler dans la neige. C'est qu'ils aiment ça. C'est une partie de la vie, c'est une partie de la culture canadienne, culture occidentale. Le froid, ça vient, ça va. Les gens qui sont ici, quand on dit que le Canada c'est un grand monde, il y a beaucoup de riches. Les gens font des grandes affaires. C'est dans la neige ici. Si tu as peur de la neige, dis-moi, entre la neige et la guerre, qu'est-ce qui est bon? Entre la guerre et la neige ici, qu'est-ce qui est bon? Moi, je pense que la neige est bon. Puisque dans la neige, tu vas parler, tu vas jouer, tu vas sourire. Il y a la paix dans la neige par rapport à d'autres choses. Je vais m'arrêter ici. En tout cas, je suis ravi de vos questions. La réponse est vraiment courte dans la vidéo ici. La sécurité, pour moi, la sécurité canadienne est plus mieux que la sécurité des Noirs aux États-Unis. Partagez la vidéo, commentez. À la prochaine. Bye. Oh my God, so cold.